Your Honor, that would fall in right to any people. Maruru maite, pahono right to tita, to tatu prititini, if fall in right to any people, no de tuatava pai, te tumubra hopea. But yeri ai te tei tau miniti, no te mea te toe nei te tei hoa, no roto I to tatu aia, ai te ai te mai. O te iki porlie. En hea nei, e tapapai te ne tau rea, ia tau mea tui tata tau rurura. Je vous remercie d'être présent ce matin et de répondre à l'appel de notre président pour cette séance à l'Assemblée. Je souhaitais attendre quelques minutes que notre ami le représentant Teiki Porlie soit présent, de façon à ce que l'ensemble des représentants puisse assister à cette séance, si on peut l'appeler. Vous n'entendez pas? Vous entendez mieux là? Teiki étant là, nous pouvons commencer. Bonjour à tous. La séance est donc reprise et nous passons à l'examen du rapport relatif à un projet de délibération portant avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de contrat de projet. Donc je demande, tel que prévu par l'alinéa 4 de notre règlement intérieur de l'article 15, je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Yorana et Monopriditini, avez-vous un commentaire à faire sur... Monsieur le Président, est-ce que je peux demander la parole? Pardonnez-moi, je vous en prie, vous avez la parole, Monsieur Bouissou. Merci, Monsieur le Président. Avant de démarrer nos travaux et bien sûr de passer la parole au gouvernement pour l'économie générale du projet, je voudrais simplement faire deux remarques, Monsieur le Président, de manière tout à fait dépassionnée. La première remarque, c'est sur la suspension de nos travaux de jeudi dernier et sur l'application de l'article 5. Nous souhaitons, au niveau de la majorité, marquer évidemment notre désapprobation sur l'interprétation du terme « suspension ». Partant du principe que lorsqu'on suspend une séance, on suspend pendant une courte durée. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous lirez la traduction du terme « suspendre » dans le dictionnaire. Et donc, suspendre pour ensuite renvoyer à une date ultérieure de 4 jours, c'est véritablement un abus qu'on considère comme étant un abus. Et pourquoi ne pas renvoyer sur 12 mois? Vous voyez ce que je veux dire? La deuxième chose, c'est évidemment sur le rapport qui sera étudié ce matin. Nous savons tous qu'il y a 2 rapports qui sont proposés et qui ont été distribués. Nous n'allons pas refaire, bien sûr, le débat de la dernière fois. Ce n'est pas du tout le sens de mon intervention. Nous nous plierons quelque part à la sagesse de votre présidence pour choisir le rapport qui devrait être lu tout à l'heure par le rapporteur. Mais sinon, simplement vous dire que si nous avons souhaité à un moment donné réunir la Commission des finances, tel que c'est prévu par l'article 63.1 du règlement intérieur de l'Assemblée, c'est que nous étions parfaitement dans notre droit de pouvoir le faire et que, toujours est-il, le plus important pour nous est que nous puissions étudier ce matin même le projet de contrat de projet. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur Bouissou. Je ne vais pas nous imposer un débat sémantique sur le sens des mots, ni sur les racines grecques ou latines du mot suspension. Il se trouve que, fort justement, notre président, dans sa très grande sagesse, en lisant l'article 130 de notre loi organique, qui vaut priorité, a considéré qu'il nous fallait attendre 4 jours à partir du moment où le document a été mis en distribution à l'Assemblée. On ne va pas refaire le débat sur ces 4 jours. Bien évidemment, nous y sommes au bout de ces 4 jours. Nous aurions simplement aimé que notre président puisse aussi être avec nous dans cette séance, et notamment le ministre du Logement, puisque le logement est concerné par ce projet de contrat de projet. Et ils avaient largement le temps de débattre avec nous aujourd'hui et de partir ensuite ce soir rencontrer éventuellement M. Nicolas Sarkozy entre Stefan Spielberg et son déplacement en Angola. Donc, à mon sens, les choses pouvaient être débattues ce matin en toute sérénité, mais je vous remercie d'accepter la logique de notre réflexion. Monsieur le Sénateur,
S'il vous plaît, pas de prise à partie. Vous avez la parole. Non, bien au contraire, Monsieur le Président. Je vous remercie en tous les cas, mais je trouve cette façon d'agir intolérable, de rejeter sur l'opposition la durée soi-disant abusive de cette suspension de séance. Je m'élève contre cette insertion-là. Il n'y a pas eu de suspension abusive. D'ailleurs, si elle était abusive, pourquoi est-ce que la majorité n'a pas alors continué les travaux et faire fi de la demande de suspension du président Temaru? Ils ne l'ont pas fait. Pour quelle raison? Parce que ils ont convenu qu'ils commettaient une erreur et que leur attitude était illégale par rapport à l'article 30 du statut. 130. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas continué la séance la semaine dernière et qu'ils ont accepté la suspension de séance proposée par le président Temaru. Alors, de grâce, ne rejetez pas sur l'opposition l'erreur et l'illégalité dans laquelle vous vouliez plonger l'Assemblée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur. Je demande donc au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Sénateur, Messieurs et Mesdames les représentants, Messieurs et Mesdames de la presse, chers amis du public, Yorana. Monsieur le Président, avant de vous faire lecture de ce document qui va retracer l'économie générale de notre texte, je souhaitais vous informer que le gouvernement dépose quelques amendements au projet de délibération, amendements que je vais vous amener et que je vous souhaite gré de bien vouloir faire enregistrer par vos services. Monsieur le Président, j'entame la lecture du texte. Deux petites minutes, monsieur. Très bien. Sur le principe, monsieur le vice-président, vous avez un paquet d'amendements que nous n'avons pas le temps d'examiner sur le champ. Nous allons les enregistrer et nous les prendrions éventuellement les uns après les autres en fonction. Oui, monsieur. Monsieur le Président, j'allais vous faire une proposition dans ce sens. Peut-on suspendre la séance 5 minutes? Oui. On ne va pas attendre là que les choses. D'accord. Avec cet élément nouveau du vice-président, je vous propose de suspendre la séance 5 monsieur minutes. Monsieur le Président, je vous remercie. Président, puisque vous avez donné la parole, est-ce que je pourrais avoir la parole également sur... Quand on reviendra, je vous donnerai la parole, monsieur Bouissou. La séance vous est suspendue. 5 minutes. La séance est reprise. Monsieur Bouissou, vous avez demandé la parole. Vous l'avez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est un rappel au règlement. Je voudrais vous citer l'article 5 de notre règlement intérieur qui, dans un paragraphe, dit ceci. Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l'Assemblée lorsqu'elles sont formulées par un rapporteur ou par un président de groupe. Or, tout à l'heure, la demande de suspension a été formulée par M. Édouard Fritsch en sa qualité de vice-président du groupe UDSP.
Vous auriez dû, Monsieur le Président, à ce moment-là, demander l'avis de l'Assemblée sur la suspension. Deuxième rappel, Monsieur le Président, vous n'avez pas plus de droit que nous à étudier des amendements avant que ce ne soit distribué normalement après enregistrement. Vous êtes parti dans une salle pour regarder ces amendements. À quel titre? Et pourquoi est-ce que nous n'avions pas, nous, les amendements au même titre que vous? Est-ce que vous êtes des représentants plus haut classés que les représentants de la majorité? Le troisième rappel que je souhaitais faire, c'est qu'il n'y a pas de censure au dépôt d'amendements. À quel titre vous proposez une suspension de séance pour vérifier la validité de ces amendements, alors qu'il est prévu à l'article 36 que c'est l'Assemblée qui, par son vote, rend recevable ou pas l'étude des amendements. Voilà ce que nous souhaitions vous dire maintenant et vous dire aussi que vos 5 minutes ont été en réalité 20 minutes. Merci. Merci, Monsieur Bouissou. Je constate, pardonnez-moi, je constate que votre lecture de l'article 5 est une lecture sélective, à tout le moins, puisque vous lisez un paragraphe et juste au-dessus de ce paragraphe, il y a un autre paragraphe qui dit ceci. Le président peut prendre la décision de suspendre ou de lever la séance de sa propre initiative. Donc, Monsieur Bouissou, j'avais totalement la possibilité de suspendre cette séance et tant que je le jugerai utile, j'utiliserai à nouveau ce paragraphe de l'article 5. Donc, pour ce qui concerne Monsieur Bouissou, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Vice-président, pour ce qui concerne la batterie d'amendements que vous venez de nous distribuer, bien évidemment, il ne s'agit pas pour nous de censurer vos amendements, contrairement à ce que pense M. Bouissou. Au contraire, c'est pour permettre au secrétariat d'enregistrer tous ces amendements et d'en faire la distribution. Ce que je constate, Monsieur le Vice-président, c'est que vous nous donnez 9 amendements qui ne sont pas simplement des amendements de forme, ils sont des amendements de fond concernant ce projet de contrat de projet et qu'il me semble être extrêmement intéressant d'analyser dans le détail. Alors, je suis devant cette situation d'avoir à discuter de ces amendements en les recevant comme ça ex abrupto au niveau d'une séance. Je vous fais la proposition suivante, véritablement pour essayer d'aller au fond des choses. Et une fois de plus, il ne s'agit pas, comme dirait un représentant, de moyens dilatoires. Il s'agit véritablement de nouveaux éléments qui nous sont transmis par le gouvernement et que nous souhaitons faire étudier dans le détail. Accepteriez-vous que, par exemple, la commission des finances se réunisse pratiquement sur le champ en début d'après-midi, pour étudier l'ensemble de ces points qui sont des points extrêmement importants, qui ne sont pas des points de détail, qui sont des points importants, que cette commission l'étudie, parce qu'en fait, ça change de tout au tout notre projet de contrat de projet, que cette commission ensuite propose un nouveau rapport, puisque l'ancien rapport, étant fondé sur un document ancien, n'a plus de sens, au sens où l'on peut débattre de ce sujet. Donc, cette commission décide de nommer un rapporteur et de nous produire cet après-midi même, pas demain matin, cet après-midi même, un rapport qui puisse être mis en distribution et que chacun d'entre nous puissions l'étudier en toute sérénité. Il s'agit d'un engagement de notre pays sur 5 années et avec une somme considérable. On ne peut pas, me semble-t-il, traiter ces amendements par-dessus la jambe, si vous me permettez l'expression. Donc je vous demanderai, et si vous en étiez d'accord, je souhaiterais que ce soit un accord unanime, que nous puissions réunir très rapidement la Commission des finances, qu'elle puisse déposer un rapport, et que ce rapport puisse être enregistré, mis en distribution, et débattu à une séance que nous fixerions 4 jours après le dépôt de ce rapport. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Je peux mettre dans la balance le poids du président de séance et demander à la présidente de la commission des finances de convoquer le plus rapidement possible
cette commission afin d'étudier ces 9 amendements. Oui, Monsieur Fritsch, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes naturellement tout à fait d'accord avec votre proposition. Je ne sais pas ce qui se passe avec le gouvernement. Où en effet, comme on l'a dit au départ, vous nous avez transmis un projet avec une précipitation telle que aujourd'hui, et je suis étonné que la majorité elle-même n'ait pas eu connaissance de ces amendements. Mais savez-vous que les chiffres sont modifiés, le montant du projet, de contrat de projet est modifié. Les actions en matière de logement social sont modifiées en conséquence. L'assainissement prévu dans les archipels est modifié. On ne fait plus que de l'assainissement sur les îles du vent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de telles modifications nous sont proposées à la toute dernière minute, alors que depuis la semaine dernière, vous réclamez que notre Assemblée se rassemble le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, mais écoutez, il y a tout un tableau de modifications sur les actions prévues par le projet. Écoutez, il faut être sérieux. Vous nous prenez pour des croix ici. On n'est pas sur le débat concernant les amendements, écoutez, Monsieur le Président. On est hors sujet, Bouchou, là. Arrêtez. Nous sommes sur l'intervention en matière d'économie générale du Monsieur gouvernement. Le Président. Nous ne sommes pas sur l'étude de l'amendement. Nous sommes sur Monsieur le Président. Le fait de laisser le gouvernement intervenir. Qu'est-ce que c'est que cette intervention, Monsieur Fritsch? Nous ne sommes pas en train de débattre sur l'amendement, là, pour l'instant. Non, laissez Monsieur Fritsch terminer, parce que vous aurez la parole. J'interviens, Monsieur Buissou. Concluez, Monsieur Fritsch. Je interviens, Monsieur Buissou, pour dire que nous soutenons tout à fait la position que vient de nous proposer le Président de l'Assemblée, de convoquer en urgence la Commission des Finances afin qu'elle examine le plus rapidement possible ces modifications. Ce sont des modifications de fond. Je vous dis, le montant du contrat de projet est même modifié aujourd'hui. Alors, arrêtez, il faut être sérieux. Mettez ça au vote. Monsieur Fritsch, Monsieur Tonceau, vous avez la parole. Merci et bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Vice-président, ainsi que tous les ministres. Yorana, mes chers collègues représentants. Yorana, les journalistes, il y aura tous les amis qui sont venus autour de cette assemblée. Vous êtes venus pour écouter, mais certainement de belles choses et non pas de la politique politicienne. Et j'aimerais adresser mes salutations au personnel de l'assemblée. Monsieur le Président, voyez-vous, pendant 10 jours, on s'est beaucoup réunis. Et on n'a pas encore commencé à débattre, réellement à lire la première ligne de ce contrat de projet. Je ne le dis pas dans un esprit polémique, parce que j'en surprendrai plus d'un venant de ma part, mais je voudrais dire quand même très sincèrement et très objectivement, qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, nous tous, les élus du peuple? On se bagarre autour des chiffres, du délai. Tout ceci pour, j'ose espérer, ce n'est pas pour retarder. Mais avec ma bonne volonté, j'ai l'impression que l'on s'achemine vers une volonté de retarder. Aussi, je me pose la question, est-ce que vraiment, pouvons-nous parler en toute honnêteté, on cherche à retarder, à faire adopter ce projet de délibération? Voyez-vous, la population aujourd'hui et les acteurs économiques, mes chers amis, sont en train de nous regarder avec une attention particulière parce que aujourd'hui, les acteurs économiques ont besoin d'avoir une feuille de route pour savoir qu'est-ce qu'on va leur apporter pour aider le redémarrage de notre économie. La population est en train de nous yeuter, d'écouter chaque mot prononcé par un tel et un tel dans cet hémicycle, parce que cette population est en droit de se demander si demain elle va retrouver le travail qui a été perdu au cours de ces dernières années, oui ou non. Et nous, en tant qu'élus,
Nous avons toujours dit que nous allons mettre de côté, faire fi de notre bataille politicienne pour essayer de travailler en communauté. Il faut le faire, effectivement. Et les gestes sont là pour prouver que nous ne sommes pas en train de le faire. Monsieur le Président, excusez-moi, mais ce matin déjà, nous avons commencé avec du retard. C'est la faute à qui? Certainement pas le vôtre, parce que peut-être qu'on vous a demandé de suppléer le Président. Donc, mais c'est un constat. Mais ce qui est formidable, c'est que lorsque nous avons ouvert pour la première fois, votre Saint-Esprit vous a demandé de se préoccuper même de la majorité, puisque M. Teiki Porlier, qui était absent, vous êtes même allé jusqu'à demander, nous allons attendre le retour de Teiki Porlier. C'est extraordinaire ça. Bravo, merci pour se préoccuper de la majorité. Heureusement qu'il est arrivé comme Zorro, 30 secondes après, mais ma question reste posée. Il se serait absenté pendant 30 minutes. Je crois que dans votre générosité extrême de se préoccuper de la majorité, on aurait eu certainement peut-être 30 minutes d'attendre pour M. Teiki Porlier. Voyez-vous, vous m'excuserez, mais j'interpelle un peu plus de sérieux, parce que c'est bien la première fois qu'on se demande à attendre un conseiller, en plus de la majorité, de l'opposition pour vous. C'est extraordinaire. Et puis, suspension de séance, la question est de savoir, pour la population, pour les acteurs économiques, est-ce qu'on va continuer à se batailler pour le pouvoir politicien, ou bien on va enfin travailler? Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur Tanso. Je vous demanderai simplement de ne pas inverser la charge de la preuve, Monsieur Tanso. Parce que ce matin, nous étions disposés à débattre du sujet et on nous propose d'une façon brutale 9 amendements. Vous conviendrez, Monsieur Tanso, que ces amendements sont importants et qu'ils nécessitent un intérêt particulier de l'ensemble des représentants. C'est pour ça que je vous faisais la proposition, et non pas illégale, prévue par l'article 63 de notre règlement intérieur qui dit que, à la demande du président de l'Assemblée, la réunion d'une commission est de droit. Donc je vous fais cette demande pour que cette commission se réunisse de droit à 14h et étudie l'ensemble des pièces. Et je demanderai au vice-président de faire en sorte que ses collaborateurs puissent participer à cette commission, de façon à ne pas traîner. Nous souhaitons faire les choses le plus rapidement possible et l'étudier dans le détail, car il y a énormément de choses qui nous sont proposées. Et si, bien évidemment, vous critiquez ma volonté d'attendre M. Teiki Porlier, je vous promets que la prochaine fois, je n'attendrai plus les membres de la majorité. Je constaterai simplement que l'opposition étant présente, nous allons commencer sans vous attendre plus. C'est une galanterie que je vous propose et je pense qu'on en a besoin de temps en temps. Monsieur Floss, vous avez la parole. Monsieur le Président, j'interviens auprès de nos collègues de la majorité pour leur supplier de ne pas rejeter sur le dos de l'opposition les erreurs qui sont commises par eux, par la majorité, par leur gouvernement. Monsieur le Vice-Président, vous avez, comme nous tous ici, la lettre que nous a adressée le président de la Polynésie française, M. Gaston Tong-Tsong. Le 2 mai, M. Tong-Tsong demande à l'Assemblée d'émettre un avis sur le projet de contrat de projet. Un avis. Aujourd'hui, 19 mai, c'est-à-dire 17 jours après, vous demandez à l'Assemblée de modifier complètement l'acte qu'il doit prendre aujourd'hui. Vous nous dites, ce n'est plus un avis, on s'est trompé, on ne sait pas très bien faire, nous sommes jeunes encore en politique, excusez-nous,
En fait, ce n'est pas un avis que vous devez donner, mais vous devez délibérer. 17 jours après, et vous mettez cela sur notre dos à nous. Oh, écoutez, monsieur Tonceau, soyez raisonnable. Ce n'est pas de notre faute si vous avez été incompétent et si vous avez confondu avis et délibération. Et aujourd'hui que vous nous demandez une délibération, vous changez complètement le préambule, vous modifiez le montant des sommes de ce contrat de projet, vous ajoutez deux articles, enfin, il est complètement transformé. Il est juste que le président dise, écoutez, donnez-nous quelques heures que la commission réexamine ce nouveau projet qui est un projet de délibération et non plus un projet d'avis. Où est la volonté de retarder les travaux? Merci. Ou de faire de la politique politicienne? Nous voulons être quand même bien informés sur les projets que vous nous soumettez aujourd'hui. Pourquoi d'abord cette erreur-là, le 2 mai dernier, pourquoi ne nous avoir pas transmis vos modifications totales de ce texte avant aujourd'hui? Donc nous partageons le point de vue du président, laissez-nous quelques heures pour examiner vos modifications dès cet après-midi. Merci, Monsieur le Président, d'exiger la réunion de la Commission des Finances pour examiner et modifier le rapport. Elles devront modifier le rapport. C'était un rapport sur un avis. Aujourd'hui, c'est une délibération. C'est quand même un minimum que nous vous demandons. Acceptez-le, Monsieur le Vice-président. Et c'est de la bonne volonté de notre part. Merci. Je vous remercie. Merci. Madame Burke, vous avez la parole. Allez-y, madame. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Yarana, chers collègues. Yarana, le public. Yarana, chers journalistes. Effectivement, en tant que présidente de la commission des finances, je ne peux pas tolérer de tels propos venant d'un membre de la commission des finances. Il est important donc de rectifier devant tout le monde pour que tout le monde sache comment ça s'est passé. Effectivement, on m'a demandé de réunir cette commission des finances vendredi. Je vous rappelle que vendredi, le personnel de l'Assemblée était off, c'est-à-dire en congé. Je suis venue de travaux jusqu'en ville. J'ai commencé à travailler sur ce rapport avec le personnel qu'on a pu faire revenir. On a pu constater des irrégularités, des incohérences en l'espace de quelques heures de travail. Lors de la réunion qui s'est tenue vendredi à 14 heures, vous étiez présent, M. Tonceau, M. Buissou était présent. Et M. Hiruhiti Tefarere était présent. Vous étiez donc là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai mis en garde contre les incohérences, contre l'inexactitude de ce dossier par rapport à ce que nous avons vu en juillet 2007 et ce qui a été adopté en 2007, en novembre, le 7 novembre 2007. Qu'est-ce que vous avez prétendu, M. Buissou? Non, c'est le même dossier, c'est le même rapport. Je vous ai dit, lisez vos PV, lisez les rapports, travaillez vos dossiers. Ne venez pas comme ça, précipitamment, nous dire que c'est comme ça, comme ça. On vous a mis en garde. Je vous ai demandé donc le temps de rédiger le rapport pour bien évaluer les incohérences, pour que vous puissiez... Et pour que vous assumiez devant le peuple vos responsabilités le jour où vous allez, au mépris de tous, quand même adopter ce rapport, que vous soyez responsable. On vous a donné le vendredi, on s'est réunis, nous, j'ai fixé le rendez-vous pour le mardi à 16 heures. Je les ai fait en toute régularité cette réunion.
Les convocations ont été faites, n'est-ce pas? Vous étiez tous invités. On vous a appelé à venir à cette commission. Vous vous êtes même réunis ici en séance, alors que vous étiez en train d'étudier les rapports que M. Bouissou n'a pas eu le temps de réunir sa commission permanente pour pouvoir étudier ses rapports de finances, de rapports de compte qu'il n'a jamais réunis. Et donc vous étiez en train de faire un travail de retard. Mais vous étiez convoqué à 16 heures. Et vous vous êtes réunis et vous avez dit, on va prendre la majorité de cette commission des finances. Vous avez nommé vos élus. Vous étiez majoritaire dans la commission des finances. Au lieu de venir assister au travail à 16 heures, non, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? De réunir 3 heures en avance, va savoir pour quelles raisons exceptionnelles il fallait absolument que vous vous réunissiez 3 heures à l'avance. Pour pouvoir, revoir un dossier, vous n'avez même pas rédigé un rapport, vous vous êtes contenté des motifs émis par le gouvernement, mais et en plus, vous avez prétendu qu'il faudrait avoir les techniciens. Donc, à ma réunion de 16 heures, je vous ai attendu, puisque vous étiez majoritaire, vous n'êtes pas venu. Je suis arrivée, on a tenu la réunion à 17 heures. Il était très facile pour vous d'amener vos amendements et donc d'amender à ce moment-là le rapport que nous étudions aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu. Alors, cessez de dire que c'est nous qui sommes en train de mettre des bâtons dans les roues de votre fainéantise et de votre incapacité de travailler. Parce que réellement, c'est de la précipitation, c'est un manque de respect par rapport à la procédure. J'ai jamais vu un rapport rédigé de cette façon-là. Vous vous contentez de ce que le gouvernement, les motifs émis par le gouvernement. Bref, vous n'êtes pas venu à 17 heures, nous avons travaillé, notre rapport a été rédigé. Et aujourd'hui, sûrement, à la lecture du rapport des deux rapporteurs qui ont travaillé, vous vous rendez compte que vous avez commis des erreurs. Et vous voulez corriger ça aujourd'hui. Mais vous trouvez... Enfin, moi, ça me sidère, cette façon de travailler. J'estime que vous aurez pu venir régulièrement travailler mardi à 16 heures, apporter vos amendements, travailler avec les techniciens, et nous ne serons pas devant ce cinéma. Et arrêtez de dire aux médias que c'est nous qui sommes les responsables, alors que c'est vous parce que vous ne travaillez pas, vous vous précipitez. Merci. Merci, Madame Beurre. Merci. Monsieur Tonceau, vous avez la parole. Oui. Merci, Madame Beurre. Elle s'est comportée comme prof d'école et d'enseignement par rapport à ses élèves. J'aimerais bien te défier parce que, arrêtez de nous dire mettez-vous au travail, j'aimerais bien te défier tête à tête pour parler de ce contrat de projet. On verra qui est prof, qui est élève. Ceci dit, on n'est plus, je disais tantôt, c'est pas la peine de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il est 10h34, mettons-nous au travail. La question que je voulais dire, est-ce qu'on va, quand est-ce que nous allons commencer? Merci, Monsieur Tonceau. Madame Eleanor Parker, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. À tous ici, bonjour. Et notre vice-président ainsi que Madame la Ministre et Monsieur le Ministre. Donc, je crois que Monsieur le Président, vous avez donné un temps à notre vice-président d'intervenir. Est-ce que nous pouvons l'écouter? Et ensuite, vous avez la possibilité de passer au vote par rapport à la demande que vous avez faite tout à l'heure. C'est simplement ce que j'avais à dire. Merci, monsieur. Merci, madame Parker. Ne claquez pas des doigts, monsieur Bouissou. Contentez-vous de lever le doigt. Si vous regardez, je ne claque pas. Je sais que vous êtes blessé, mais quand même, allez-y, vous avez la parole. Surtout que j'ai un doigt, vous le voyez bien. Ouais. Monsieur le président, je ne reviendrai pas sur toutes les élucubrations habituelles de la bouche des responsables de l'opposition que nous avons entendu tout à l'heure. On a pratiquement l'impression qu'il n'y a que M. Floss qui détient la science infuse de la politique. Vous voyez,
parce qu'on l'écoute avec sa grande suffisance, nous dire « oui, vous comprenez, vous les petits jeunes de Totatoaïa du gouvernement ». Vous savez, M. Flo, c'est une fierté pour nous, aujourd'hui, d'apporter un peu de sang neuf et de renouvellement de cette classe politique, parce que ça aussi, c'était quelque chose de voulu par la population. Et, Monsieur le Président, je crois que le gouvernement est tout à fait en droit d'introduire à n'importe quel moment dans le débat, et y compris dans l'étude des articles du projet de délibération, des amendements. Parfaitement en droit. Bien. Nous étions tout à l'heure dans une procédure qui était une procédure où nous devions écouter le vice-président nous donner l'économie générale du projet. D'ailleurs, ça aurait répondu aux interrogations de M. Fritsch. M. Fritsch qui se posait la question, mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Monsieur Fritsch s'esclaffe avant même que le gouvernement, parce que vous n'avez pas donné la parole au vice-président, ne donne les raisons des amendements qui vont être apportés. Vous voyez? C'est un peu comme si la balle sort avant que le coup ne parte. C'est comme un pétard mouillé, si vous voulez. Donc, ce que l'on propose, c'est que l'on revienne sur le droit fil de la procédure de cette séance, que si vous souhaitez réunir votre commission des finances, faites procéder au vote, mais nous vous le disons tout de suite, nous sommes contre. Merci, Monsieur Bouissou. Une fois de plus, je vous demande de ne pas inverser la charge de la preuve, parce que j'avais donné la parole au vice-président pour qu'il fasse l'économie générale du projet. Au lieu de cela, le vice-président m'a transmis un paquet de 9 amendements. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Il a donc décidé de nous transmettre 9 amendements. Ces amendements sont des amendements qui changent tout au tout notre projet de contrat de projet. Donc, à partir du moment où des chiffres, s'il vous plaît, Monsieur Bouissou, je ne vous ai pas interrompu. Alors, écoutez-moi. Ces amendements changent tout au tout la nature du projet de contrat de projet. Et il me semble tout à fait normal, et je m'adresse au vice-président, s'il en était d'accord, de convoquer notre commission, puisque vous êtes majoritaire dans cette commission des finances. Une fois de plus, ce n'est pas un coup de jarnac, vous êtes majoritaire dans la commission des finances. Je vous propose de réunir cette commission des finances à 14 heures, d'étudier ces amendements et de les intégrer dans un nouveau rapport, et je demande à Madame la Présidente de veiller à ce que ce rapport nouveau soit transmis avant la fin de la journée, de façon à ce que très rapidement nous puissions à nouveau nous mettre à travailler sur ce nouveau rapport concernant ce nouveau contrat de projet. Je demande au vice-président de faire venir à l'intérieur de cette commission des finances dans laquelle vous êtes majoritaire l'ensemble des responsables et faire en sorte qu'on travaille véritablement sérieusement. Je suis sûr que c'est votre vœu, monsieur le vice-président. Si nous le faisions ici, nous le faisions d'une façon bâclée, gâchée. Donc je vous fais la proposition d'accepter de venir avec nous à 14 heures à l'intérieur de la commission des finances et de débattre de vos 9 amendements. Je vous fais cette proposition à vous, monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci, président. Mais avant de répondre à votre question, je voulais quand même vous dire que en vous déposant les amendements, je ne me suis pas privé de la parole que vous m'avez donnée. Je vous ai simplement dit que, avant de me mettre à lire l'économie générale du texte, j'avais ces amendements à vous proposer. Vous me faites une proposition de réunir la commission cet après-midi. Moi, je rejoins les interventions qui ont été faites tantôt par les conseillers de la majorité. On ne fera que retarder les choses. Or, je crois que nous avons suffisamment attendu. Par ailleurs, les amendements que je propose, que le gouvernement propose, ne viennent que modifier à la marge, je suis désolé de le dire quand même, le texte qui est soumis à notre examen aujourd'hui. On me parle d'une modification substantielle, par exemple, du montant global des opérations. D'une phrase, je répondrai qu'il y a à peine 1% de modification par rapport au montant global, de l'ordre de 52 milliards, et que cette modification ne fait que ramener le montant qui vous est proposé au montant qui a déjà été arbitré l'année dernière, en juillet 2007. Donc, ça n'est pas une modification véritablement substantielle. Et vous verrez que le reste des amendements ne sont pas des amendements
véritablement difficiles à comprendre, nous pourrons les examiner en cours de séance. Voilà ce que je propose. Merci, Monsieur le Vice-président, pour ces explications. Vous savez, lorsque je vous ai proposé de réunir cette commission, c'est bien évidemment par courtoisie vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la majorité, vis-à-vis de l'ensemble des représentants. Mais le règlement intérieur me permet de sommer la présidence. C'est faux, le règlement intérieur ne vous permet pas. Vous êtes obligé de mettre au vote. J'ai la possibilité, telle que prévoit le règlement intérieur de notre Assemblée, de lever la séance. Si c'est ce que vous souhaitez, nous allons y venir. Mais je ne veux pas le faire. Ce que je souhaite, c'est que véritablement l'ensemble de ces points soit examiné dans le détail. Comprenez-moi une fois de plus. Nous souhaitons que cette commission intérieure se réunisse le plus rapidement possible. Je vous fais cette proposition. De réunir la commission à 14 heures et d'imposer à cette commission de produire son rapport dans la journée, c'est-à-dire qu'on ne traîne pas et qu'ensuite nous puissions ensemble examiner le résultat de cette commission. C'est tout simple. Si, Monsieur le Vice-président, vous avez demandé la parole, vous avez la parole. Oui, Président, merci. Vous faites une proposition, moi j'en fais une de contre-proposition, à savoir examinons les amendements en séance. Comme ça, nous irons plus vite. Parce que réunir votre commission, je laisse bien entendu votre représentation en décider, mais ça nous ramène à 4 jours après pour examiner notre projet. On va encore prendre du retard. Je pense que notre population, l'économie de notre pays ne peut pas souffrir davantage de ce retard. Merci. Oui, vous reconnaîtrez, Monsieur le Vice-président, que c'est vous qui nous faites retarder le travail aujourd'hui. Hein. Monsieur Frisch, vous avez la parole. Président. Mon avis, mais tantôt il y a eu mes tantôt il y a eu des tours et il y a pas eu pas ouais tout ouais man. Il y a tout à tout mon roi, tout à tout aïe, tehi onoara voi rato et te mat et onoara rato tehi mo api parau o tehi operehia et oya mau et oya mau. Wa tauhi hea te rehei ao te fowfaa e wha ohipahia roto e te ie parau whaau. Wa tauhi hea, e pae ahuru mā piti miria i nanheira, i te ie pēpēoe, pae ahuru mā hoe miria. Ea, mana o tātou e, mi tera e parau hea re te mono presiteni, e hua hua noa te rā, hoe miria. Hau atu i te rira, e ngai te parau o te nhorā, te parau o te whearihiri i logement social. Inan hei rei, piti ahuru mātoru miria, i te ie pēpēi, piti ahuru mātoru miria, inan hei rei, piti ahuru māmha miria. Ho e miria teitāpūhia, no te patu i te whare no te whea iri. E ere ho e mirioni, e ere ahuru mirioni, ho e miria. Rā, te imira ona te hia roa, te iti api numera toru, numera mha, e te monopere te tenei. Weitia ue, ai te oto i teio, me upapa e hiara. Ta oto i ani mei nei, mono oto ue nene, e whaar inoa mei tera. Ta mātou e ani nei, mono pereti teni. Ia hau mei oa, muai te tomi te hi o poa. No te monumera i une, Commission de Finance, te tapi hora, te tapi rao e triatura, haramai oe tātare i tu e mono hou. Ta tou e hau mei e une, e tau aparaue iho i teio o puar a ta oto. Mei ta te ture. Mai tā te ture e whānhora. Te rira no, Pritini, whāhupa mai tō e mana, wara wa itera haa maaura ai une. Merci, Monsieur Mamatua, vous avez la parole. Maru Pritini, rana to tātou whare ei ki tūtui au ki. Pritini, whar ono aro e tu momono oi aru aera, iehi o te hina aru hiare huanane ki hupata tātou. A te ia. A piti, te mua hiara pahi tātou e, te ie fufu ao tātou e tua tapapa, Rato i tūana nera, te nūna āpa i te whatu. Te nūna āo te whatu. E tātou pōroa, tātou pōroa me maetia tātou e te nūna. O tō i tō tō pae, mā tō i tō mā tō pae. E nūna. Aitu e mana ora e hua nane tātou i te fufu a te nūna.
pretuite nane nor aiti tapuro hipo atoru pretini wa tawiru wa filotofo ti hipo me ero filotofo yana nahira me ero filotofo ti yaman te mon on yo e ya ar ar amoi et furu de ode feya ma aiti ti tapuro hipo ya fo hi onor ti ti tu tapa para ho nu mai dai ho ta tu fo hi me yana ti 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 tu tapa para ta ta tu pretini Tieni tu aro ia oe wha ahipa oi tu oe mana. I hata tu e umiume noa mitera. E te me mau atu oia. E amatara mai ki te mo prau au ra ore arau e. Maruru pritin. Merci. Je demande à Madame Burke, Présidente de la Commission des Finances, de réunir sa commission dans les meilleurs délais cet après-midi à 14h et d'étudier ces amendements qui nous sont proposés. En conséquence, la séance est suspendue. Elle reprendra vendredi matin à 9h.